aujourd'hui, on va faire une autre petite vidéo. Vous avez déjà vu ma vidéo que j'avais fait sur mon éclairage, qui s'affiche juste ici. Mon éclairage va bien, c'est pas le souci. D'ailleurs, là, il y en a un qui est en train de me brécher dessus, là. Mais j'en ai acheté un autre. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, ces éclairages sont à pile. Je peux y mettre une batterie. Ce que je vais faire aussi, hein, vous inquiétez pas, je vais en mettre, hein, parce que 6 piles dans chaque machin, c'est des piles rechargeables, mais en attendant, il faut les mettre à recharger sans arrêt, et puis ça consomme très vite. Hein. Donc j'ai acheté un autre système, qui est actuellement en train de m'éclairer, qui marche bien. Hein. Je vais vous présenter ça tout de suite. C'est un éclairage pareil, de type softbox, que j'ai acheté sur Amazon. Alors voilà les amis, comment que ça se présente. Voilà, on peut voir que c'est pas très large. Donc moi je vais monter sur un pied. J'ai un grand pied, donc j'ai mis dessus. Mais je peux très bien aussi le poser sur une table. C'est vendu avec un tout petit pied. Donc c'est vendu sur un petit pied comme ça. Voilà. Là j'y ai mis mon autre projecteur. On va voir ça ensemble, ce que ça donne. Actuellement, là, il n'y a pas de lumière. Là je me trouve dans mon salon. Le salon n'est pas éclairé. On va voir ça avec un petit projecteur. Et avec mon nouveau projecteur. Sachant que le petit, les piles sont à moitié HS, power dessus, voilà. Il me reste juste un voyant sur 4. Quasiment vide. Hein. Là, on va essayer juste avec un petit projecteur. Voilà. Là, j'ai juste un petit projecteur d'allumé. On va éteindre le petit projecteur. Le petit projecteur est éteint. Et maintenant, on va essayer avec le gros projecteur. C'est magique. Donc voilà les amis, là j'ai juste le gros projecteur qui est allumé. Donc je pense que vous voyez une différence. Pour moi c'était important d'avoir un projecteur LED comme ça aussi puissant. Surtout qui se branche dans la prise. Ça m'évite d'avoir sans arrêt à brancher mes petits projecteurs. Les mettre à recharger, tout ça. Ces petits projecteurs ils sont pas mal. Parce que si vous trouvez, je ne sais pas, dans un champ, le soir, en randonnée, en bivouac, pour faire une vidéo, je ne veux pas emmener mon groupe électrogène avec mon projecteur pour avoir du jus. Donc mes petits projecteurs sont très bien aussi pour ça. Et même, ça permet de faire un petit complément de lumière autour pour pouvoir vraiment concentrer la lumière sur le sujet à filmer. Ou même pour de la photo, c'est très bien aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le gros pouce bleu, à commenter. Encore merci d'être toujours aussi nombreux à suivre mes vidéos et à vous abonner. Salut, à la prochaine.